qui était Madame Béranger, l'épouse du comte Béranger, conseiller d'État de Napoléon, directeur de la caisse d'amortissement qui est devenue par la suite la caisse des dépôts. Donc c'est un haut fonctionnaire et un conseiller d'État extrêmement apprécié pour ses compétences techniques par l'empereur. Il épouse donc Claudine Elisabeth Sossac, originaire de Valence, et moi je suis une descendante à peu près directe, en droite ligne, de Jean Béranger, dont l'épouse portait cette tenue, semble-t-il, au sacre de Napoléon le 2 décembre 1804. Et donc cette robe a toujours été dans le grenier de notre propriété familiale de l'Isère, et on l'en sortait de temps en temps comme ça pour la montrer aux gens de passage, certainement au passage d'ailleurs en la traitant avec bien peu de révérence compte tenu de ce qui lui est arrivé par la suite. Donc c'est une robe de l'époque Empire, avec une coupe typique de cette période, donc une poitrine qui est assez haute, une jupe effacée qui part juste en dessous de la poitrine, des manches ballons qui sont en plus ornées de petits volants supplémentaires et un décolleté assez ouvert. Donc elle est faite d'un tulle de soie écrue, complètement rebrodée d'un petit décor représentant des rubans noués. Ce décor brodé est constitué de lames métalliques dorées, qui sont en fait un alliage cuivre et or, et qui sont de deux types, des lames lisses et des lames gaufrées, ce qui fait quand on se penche sur le détail de ces broderies, on peut vraiment en apprécier la finesse. Cette robe n'a pas toujours été conservée dans des conditions muséales, donc elle a malgré tout souffert et elle présente maintenant des dégradations structurelles assez importantes. Donc la restauration a consisté en un doublage total du tulle sur un tulle de support qui est un tulle contemporain, un tulle de nylon, de façon à lui apporter vraiment un soutien structurel général. En plus de ce doublage, avec donc des lignes de fixation à intervalles réguliers, toutes les zones vraiment dégradées, donc présentant des fentes, des lacunes ou des trous, ont été vraiment stabilisées par ce qu'on appelle nous des points de restauration que l'on réalise avec des fils d'organzin de soie qui sont des fils très fins, teints sur mesure par nos soins et qui viennent vraiment plaquer toutes les parties abîmées du tissu sur le support. Il y avait par endroits des gros manques du tulle d'origine qui gênaient la lisibilité de cet objet. Donc on a fait le choix par endroits de faire des incrustations d'un tulle de soie récent pour essayer de combler visuellement ces manques. Évidemment, à l'occasion du sacre, la comtesse Béranger portait la robe et la traîne. Mais il s'avère que la traîne qui est nouée sous la poitrine vient appuyer sur une des zones les plus fragiles de la robe. Donc c'est pareil, dans un souci de conservation, nous avons fait le choix finalement de présenter séparément la robe et la traîne. Donc on aura deux mannequins identiques, deux fonds de robe facsimilé identique, et d'un côté la robe, de l'autre la traîne. L'idée étant que le visiteur puisse faire ce travail d'association mentalement.